Madame Frédéric. Elle est professeure de collège en France. Donc elle est venue avec une délégation pour nous maintenant un partenariat entre son collège et le lycée de Nyanin. Maintenant, sous la responsabilité de Madame Koulibaly, vous allez avoir des échanges avec ses élèves. Ces échanges concernent la lecture de poèmes, hein, des travaux pratiques, tout ça qui sera coordonné par Madame Koulibaly. Donc vous avez déjà commencé le travail. Et c'est maintenant des échanges qui vont continuer. On va faire des films et vous allez voir. Vous voyez ces, vos camarades qui sont là. Ils vont voir ce que vous faites ici et ce que vous vivez. Et ensuite, on va faire le film et ils vont amener ça en France pour montrer ça aux autres, à ses camarades. Vous aussi, eux aussi, ils vont faire des films et ils vont vous les ramener et vous allez voir comment ils vivent aussi leur réalité en France. Donc, ce sera un échange très fructueux. Bien que vous ne vous déplacez pas, mais vous allez avoir une idée de vraiment de la vie en France et aussi avoir une idée de la vie que vous menez ici. Vous voyez, les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est différent des conditions que dans lesquelles je travaille. Là, c'est des classes de 30 élèves, 35 élèves maximum. Vous voyez, c'est des classes de 80, 75 élèves. Donc déjà, vous avez une idée de la différence. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en rapport, en verbe, pour que les échanges là soient vraiment fructueux. Donc pendant le séjour, vous allez essayer d'apporter tout votre savoir-faire pour que vraiment les échanges là soient le plus fructueux possible. Voilà, merci. Avec deux autres classes de 6e, et ben voilà. Je m'appelle Bubble, j'ai 3 ans et je suis un chien très bien élevé. Mon maître s'appelle Théo et il a 11 ans. Moi, je suis Potatoes, le hamster d'Emma, qui est dans la même classe que Théo. Souvent, elle prend bien soin de moi. Mais ce matin, elle était en retard, alors elle m'a oubliée. Elle fait du foot dans la section filles de son collège. Elle est en avant-centre et super forte. N'importe quoi! Mon maître Théo, il regarde plutôt le foot à la télé en mangeant du pop-corn et moi je lèche les miettes. J'ai de la chance. Il dit que le football féminin c'est nul et que les filles n'ont aucun sens tactique. Ma petite maîtresse Lisa fait de la danse. Il faut la voir avec son petit tutu rose. Maman dit que c'est une activité parfaite pour les filles. Maman? Oui, enfin, la mère de Théo et de Lisa. Je fais partie de la famille moi aussi. Maman dit que de ses trois enfants, c'est moi le plus obéissant. Alors, je l'appelle maman. Ne perds pas de vue que tu n'es qu'un club mal peigné et souvent malodorant. Parfaitement. Moi, je fais ma toilette tous les jours, comme les humains. Sauf que je n'ai pas le droit au bain moussant. Les humains se lavent trop. Quelquefois, l'été, Théo prend 2 douches par jour. Papa râle car il dit que l'eau coûte très cher. Pas assez, faut croire. Quel gâchis! Ces enfants gâtés ne se rendent même pas compte que l'eau potable sur Terre est limitée. Et toi, bien sûr, mon petit rat de luxe, tu as une conscience écologique. Oui, monsieur, parfaitement. D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire à la télévision, blotti sur les genoux des mains, apprend qu'au Sénégal, par exemple, on fait attention à l'eau et on ne la gaspille pas. Je connais le Sénégal mieux que toi. Théo a préparé un exposé pour sa classe sur ce pays et lui beaucoup de comptes. Je peux te dire que les lièvres, ils sont tous rusés comme des renards, que les femmes de là-bas peuvent se transformer en panthères et que les
les arbres parlent entre eux quand les humains dorment. Qui pembe, 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 qui pembe